toujours en direct du carreau du temple de la rigolade. Et donc, de fait, vous êtes un petit peu les templiers de la poilade, les chevaliers de la pitrerie, les croisés de la blagounette. Alors, s'il nous fallait une sainte, je vais me tourner vers celle qui entend des voix, hein, qui lui dicte ses chroniques, sinon je n'ai pas d'autre explication. Sainte Constance, riez pour nous. Confinée volontaire avec mes MST, je leur ai proposé hier soir la séance cinéma de Constance Pitard. Car à l'instar de Thomas Croisière, j'ai des yeux, des oreilles et une bouche, donc je peux aussi imposer mes goûts cinématographiques douteux à des gosses qui n'ont rien demandé tout en les exploitant en leur faisant faire des chroniques à ma place pour pain et clou. Seul petit obstacle, ne désirant pas aggraver le problème de la surpopulation mondiale et adepte de l'éjaculation faciale, je n'ai pas d'enfant. Qu'à cela ne tienne, j'ai voulu en acheter dans un pays pauvre. Mauvaise idée. Le temps de les commander sur Amazon, plus la quarantaine imposée par la situation sanitaire, ils sont arrivés tout séchés dans mon carton. Zut. Alors, j'ai essayé d'en voler deux, éloignés des parents dans une rue. Mais ça court très très vite, ces petites bêtes, et puis ça gueule. Et les parents, ils font des histoires, et que j'appelle la police, et que je déclenche le plan alerte enlèvement. Bref. Une fois sorti de la garde à vue, j'ai enfin trouvé une solution pour ma chronique cinéma. J'ai capturé Dagobert, mon enfant intérieur bâillonné depuis fort fort longtemps par cette société bien trop terre-à-terre. Dis bonjour Dagobert. Bonjour. Peux-tu dire aux auditeurs le titre du film que nous avons regardé hier soir ? Sous l'écorce d'un arbre creux où l'architecture du vide intérieur d'un être ordinaire futur hôtel à insectes de Terence Lars von Trier. Bravo Dagobert. Ce chef-d'œuvre cinématographique sino-tchèque dépeignant la vie d'un arbre depuis l'éclosion du gland jusqu'à la chute de sa dernière feuille est une mise en abîme existentielle à la fois subtile et éphémère qui offre aux spectateurs une réflexion sur notre rapport au temps et la non-acceptation de notre propre mortalité. Un film qui serait, selon Dagobert, un mi-chemin entre une visite du musée de la poussière et un jour de cantine où tu arrives trop tard au self et du coup il n'y a plus de frites, il n'y a plus que des brocolis et du chou-fleur trop cuit qui baignent dans l'eau tiédasse. C'était déprimant, ennuyeux et c'était long. Oui, cette fiction naturaliste expérimentale qualifiée d'anesthésique intimiste et transgressif par les puristes, de poésie porno végétale par les bizarres et de blockbuster pour les sadomasochistes, dure 12h28 dans sa version courte. Qu'on l'aime ou qu'on la déteste, cette œuvre sans concession nous prend aux tripes, n'est-ce pas Dagobert ? J'ai vomi tellement je me suis ennuyée ! Il se passe rien ! La seule scène d'action, c'est la séquence de la montée de sève d'un arbre au printemps et la musique. C'est qu'une vieille folle allemande bègue qui chante en hurlant des chiffres. Cette vieille folle allemande, comme tu dis Dagobert, c'est la grande Gisèle Rectum, célèbre cantatrice et compositrice de 102 ans, qui a eu la brillante idée pour la BO du film de mettre en chanson l'annuaire entier de la ville de Berlin et de l'interpréter sans son dentier. Ce film, ayant remporté l'escargot d'or du film le plus long au Festival de Bourgogne, est idéal pour calmer et endormir mon petit Dagobert, diagnostiqué hyperactif et incapable d'enfiler son slip à l'endroit. Mais j'y peux rien, moi, s'il y a autant de trous qui se ressemblent dans un slip. Et puis c'est pas moi qui ai eu l'idée de repeindre le chat au feutre, c'est le chat qui voulait. Il voulait des rayures pour ressembler à un tigre. Méfie-toi, Dagobert, parce que la fessée imaginaire n'est pas encore interdite. Et si tu continues à être un petit con, ce soir, je te projette un documentaire sur l'histoire intégrale du curling de l'Antiquité à nos jours. Mais moi, je m'en fiche, tu sais, parce que finalement, c'est toi que tu tortures inconsciemment. C'est assez bête de malmener son enfant intérieur. Tout ça pour paraître plus cultivé à la radio et te donner de l'importance devant tes copains. Dis-leur la vérité. C'est quoi ton film préféré pour de vrai, Constance ? La soupe aux choux. Ben voilà. Chef-d'œuvre. Cette fois, on est d'accord. Alors, tu vois, c'est pas si compliqué. Le 7e art, c'est avant tout un divertissement. Si quand tu regardes un film, t'as l'impression qu'on te fait un détartrage, c'est qu'il faut arrêter. Protège ton petit enfant intérieur. Tu as raison, Dagobert. Allez, viens. On va rire bêtement ensemble sur la scène du concours de Prout sous les étoiles. Parce que vive la légèreté et surtout, vive le cinéma. Bravo. Ah, Constance.
mal au ventre d'avoir tellement ri. Pardon, Thomas Croisière, désolé. Oui, c'est ça. On va perdre un chroniqueur. C'est un hommage. En tout cas, Constance, vous avez vu ce que c'était que de faire une chronique de Thomas Croisière. C'est très produit, il y a beaucoup de sons. C'est du travail. C'est quand même du boulot. Vous avez mis beaucoup de mots. Il y a quand même beaucoup de mots qu'on n'avait jamais entendus. C'est ça, mais moi non plus. D'ailleurs, la plupart des choses que j'ai dites, je ne les comprends pas. Merci Constance. Et je vais éventer un petit secret aussi. Vous préparez pour la dernière émission de la saison, vendredi prochain, un duo avec Frédéric Fromet. Oh là là. Et donc, le CSA et le service courrier de la Maison de la Radio sont déjà en vigie catastrophe rouge écarlate. Voilà.